C'est ici, boulevard Légitimus, qu'un jeune homme de 28 ans a été agressé. Vers 23h30, 5 individus tentent de s'emparer de la chaîne qu'il porte autour du cou. Ce dernier résiste, il refuse. Malheureusement, deux des agresseurs ont une arme de poing. L'un d'eux s'en sert, il tire et touche la victime au bas du dos. Peu après, les pompiers arrivent sur place. Ils transportent en urgence le jeune homme, encore conscient, au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Bien que les actes de violence sont en baisse ces dernières années en Guadeloupe, la commune tout entière reste une zone de sécurité prioritaire. Rappelons qu'en 2017, on estimait à plus de 34 000 le nombre d'armes à feu illicites dans tout le département.